Ok, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui d'un caractère très très singulier, très particulier, que certains d'entre vous qualifieront peut-être de mystique. Mais restez avec moi, vous allez comprendre tout l'intérêt du sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, à savoir ce qu'on appelle l'électrosmog. Alors l'électrosmog, non, ce n'est pas un nouveau genre musical, c'est ce qu'on appelle également en français la pollution électromagnétique. Et lorsque vous êtes comme nous tous ici, que ce soit dans un studio pro ou dans votre home studio, ou même si vous travaillez simplement avec votre laptop, vous êtes confronté à cet électrosmog, à cette pollution. Et je vais essayer en deux mots de vous expliquer de quoi il s'agit, pourquoi c'est mauvais pour vous et qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de remédier à ce problème, étant donné que si vous êtes comme moi, eh bien vous passez probablement 4, 5, 6, 7, 8, parfois 10, 12 heures derrière des machines à subir donc cette pollution électromagnétique. Alors si c'est un sujet qui peut faire sourire certains, c'est pourtant tout à fait sérieux. Et vous trouverez en tapant électrosmog sur internet des articles, notamment celui-ci sur Agoravox, qui vous expliquera très très bien ce dont il s'agit. C'est en tout cas aujourd'hui reconnu également par l'OMS. Il y a eu d'ailleurs ici en France, il y a 30 ou 40 ans, un scandale au travers d'un docteur qui s'appelle le docteur Jean-Pierre Masqui, si ma mémoire est bonne. Vous trouverez une vidéo d'ailleurs qui s'appelle pollution électromagnétique sclérose en plaques, le secret censuré, sur YouTube. Vous pouvez visionner cette vidéo qui raconte l'histoire du docteur Jean-Pierre Masqui. Donc il a écrit un livre aussi, comme vous voyez là. Et donc c'est quelqu'un qui très tôt a été conscient de cette pollution, qui s'est fait radier de l'ordre des médecins et pendant 30 ans qui s'est battu pour faire reconnaître ses idées, et qui aujourd'hui est totalement réintégré, si vous voulez. C'est vous dire à quel point il y a une hypocrisie et une mauvaise foi ambiante sur toute cette histoire assez redoutable. Donc de quoi s'agit-il ? Eh bien, l'électrosmog, c'est, si vous voulez, une sorte de tension électrique qui vous traverse et qui nous traverse tous. Alors, ça s'exprime en quelques volts, ça peut aller de 1, 2, 3, 4 volts jusqu'à parfois 12, 13, 14, 15 volts, qui traverse en permanence votre corps, d'autant plus, évidemment, que vous vous trouvez à proximité de machines, et nous, je veux dire, en studio, évidemment, on y est confronté toute la journée. Et donc, lorsque l'on touche comme ça des faders, lorsque l'on s'approche d'un laptop, dès que l'on pose la main comme ceci sur un laptop, ou que l'on touche une souris, un clavier d'ordinateur, une MPC ou quoi ou qu'est-ce, eh bien cet électrosmog nous traverse, traverse notre corps. Et vous trouverez d'ailleurs toujours sur internet une vidéo qui s'appelle « Tapis universel et tapis souris Earthing » qui démontre bien la chose. Puisqu'il existe des testeurs, et vous voyez ici que la personne a une tension induite de 3 ou 4 volts, et dès qu'elle approche sa main donc du clavier de l'ordinateur, cette tension induite monte, peut monter jusqu'à 10, ou enfin, évidemment selon les machines concernées, même au-delà de cela. D'accord ? Donc en quoi, vous allez me dire, est-ce que cela est mauvais pour notre santé ? Eh bien, on aurait pu croire que nous y étions insensibles, mais il semblerait bien, à la longue, que cela crée des graves problèmes de santé aux êtres humains, et que des maladies même très graves, comme jusqu'à la sclérose en plaques, ou certaines affections rhumatoïques, ou quoi ou qu'est-ce, eh bien, soient directement liées à cet électrosmog ambiant, ce qui expliquerait beaucoup de nos maux de civilisation dont nous souffrent beaucoup de gens. Alors, un autre symptôme flagrant, c'est la perturbation du sommeil. C'est-à-dire que ces champs électromagnétiques font baisser ce qu'on appelle la mélatonine, qui est une hormone du sommeil, et partant de là, évidemment, il est beaucoup plus difficile de se reposer. Donc voyez à quel point cela peut être insidieux, surtout dans nos métiers où, je veux dire, on ne compte pas les heures de travail, on travaille des fois 10, 12 heures par jour, dans ces conditions-là, et il nous faut être au meilleur de nous-mêmes pour pouvoir créer. Aujourd'hui, utiliser tous ces logiciels demande d'avoir le cerveau clair, l'esprit clair. Donc je conçois très bien que pour les plus jeunes d'entre vous, tous ces sujets puissent sembler ne pas vous concerner ou être encore loin de vos préoccupations actuelles. Pour autant, ce n'est pas qu'une question d'éviter de tomber malade à long terme, c'est aussi une question d'être plus efficace au jour le jour.